Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue aux nouveaux venus. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder aujourd'hui que nous disent les énergies. J'ai déjà placé trois tas de cartes ici, trois possibilités. On va voir ce que ça nous dit. Vous avez la possibilité entre le choix 1, qui est l'oracle G, le choix 2, le tarot des sorcières, et le choix 3, l'oracle de Berlin. Vous faites votre choix et on va retourner voir ce que veulent bien nous dire les cartes aujourd'hui. Ici, on a la naissance, le projet et le soleil. Donc, je dirais ici qu'il y a un nouveau départ, soit l'achat d'une nouvelle maison, la concrétisation d'un couple, soit un couple qui décide de vivre ensemble ou tout simplement acquérir un nouveau bien ou mettre en place un nouveau projet ou tout simplement commencer un nouveau boulot. Hein. Et quelque chose qui apporte beaucoup de bien-être, hein. Les projets qui avancent, une liaison stable ici, la sérénité, le sentiment, amour fort, complicité, bonheur, en tout cas quelque chose de très très beau. Donc c'est vraiment quelque chose que soit on espérait ou alors on a eu au-delà de nos espérances ici. Donc je dirais une réussite dans la carrière professionnelle. Salaire conséquent, promotion, aboutissement positif par rapport à la recherche d'un emploi, la naissance d'un enfant, une demande en mariage, autant de choses et autant de possibilités. Donc pour ceux qui ont choisi la possibilité, le choix numéro 1, il y a la légalisation d'une union par le mariage ou l'achat commun dans le couple. Hein. Donc c'est vraiment très bien. Ou alors si vous mettez en place un nouveau projet, ici un nouveau business, vous vous mettez tout simplement à votre compte, hein. Un nouveau venu dans le monde, peut-être, ouais, nouveau projet. C'est tout simplement nouveau projet. Ça c'est pour la possibilité numéro 1. On va voir ce que veulent bien nous dire les messages pour vous. Ici, pour vous, on vous dit relation passée, événement qui met en scène quelque chose de familier. Faudrait s'attendre à une situation majeure dans la vie, dans votre vie. Peut-être un projet qui refait surface de réfléchir. Vaudrait mieux ne pas forcer les choses, hein, et attendre que la situation s'éclaircisse. Vous verrez. Et ne faites surtout plus, on vous dit ici surtout de ne plus faire les erreurs du passé. Et suivez juste le courant et faites ce qui vous plaît et ce qui vous semble bon et ce qui résonne juste avec vous. C'est le message ici pour la possibilité numéro 1. On va regarder le 2. Ça nous parle toujours d'amour. Ici pour le 2, nous avons le fou. L'exploration, la quête, le mouvement. Et ici, nous avons l'union, la célébration, le mariage, l'équilibre. Et ici, très heureux prochainement. Donc, ici, nous avons ça, le fou, l'union et la joie et le bien-être, l'épanouissement. Donc, je dirais, c'est à peu près les mêmes choses. Hein. Donc, ici, il y a quelqu'un qui s'est lancé corps et âme perdu et qui a dit, bon, tant qu'à faire, je me jette dans cette nouvelle relation et je verrai bien ce que ça... où tout ça va me mener, et il y aura la concrétisation, il y a quelque chose de bon qui va se passer, même si ce n'est pas une union, ça peut être juste la concrétisation d'un nouveau projet, où on s'est jeté là-dedans à corps perdu, et on a dit, bon, essayons, et puis lançons-nous, et on verra bien ce que ça va nous apporter, hein, sans toutefois savoir exactement où on allait dans ce projet. Juste tête en l'air, hein. On s'est dit, bon, ok, on va explorer de nouveaux horizons, on va aller à la quête de quelque chose de nouveau, on va essayer de ne pas se prendre sérieux et de voir où tout cela va nous mener. Hein. Et ici, je peux dire qu'il y a la concrétisation de ce projet, que ce soit sentimental, professionnel, relationnel, tout s'est vraiment mis en place. Donc ici, on a vraiment des personnes pour le choix numéro 2, hein, la possibilité numéro 2. Qui ont fait les choses, même que vous n'étiez pas sûr d'arriver à ce point-là, mais on voit ici qu'il y a la concrétisation et que les choses vont plutôt très bien. Il y a la joie, très, il y a la joie ici, comme ce petit garçon
tout joyeux là avec son petit chat, dont il y a des bonnes nouvelles certainement très prochainement par rapport à ce projet que vous avez mis en place et qui se concrétise. Vraiment la joie, la sérénité, un coup de bol. Mais un coup de bol, c'est un coup de tête quand même, hein. Un coup de tête, vous avez un peu, je dirais ici que le pari, il était gros. Vous avez pris un gros risque ici, mais vous avez bien fait de le prendre ce risque. Parce que tout n'est que positif ici. On verra pour vous que veut nous dire le message. Le message pour vous. Le message. Ici, on vous dit, tu attendais des nouvelles, elles arrivent sous forme d'écrit. Un appel téléphonique, période riche en communication, les plus diverses. Il peut s'agir d'endosser ou de remplir certains devoirs. Les lettres de motivation envoyées, des révélations peuvent intervenir. Quoi qu'il en soit, cette période risque d'être mouvementée, pleine de bonheur et surtout de surprises positives pour vous. La possibilité numéro 2 et possibilité numéro 3. On a l'inconstant ici. Pour le numéro 3, ici on a l'inconstance, hein. Vraiment quelque chose qu'on ne sait plus trop, on manque d'éclaircie ici, il y a comme une zone d'ombre, on ne sait pas trop, il y a quelqu'un qui s'amuse à souffler un peu, à nous faire chavirer, hein, à souffler le froid, le chaud, sur ce qu'on a envie de mettre en place, ou sur tout simplement des choses qu'on a mis en place, malgré tous ces désagréments, tout ce que cette personne a bien voulu faire en nous mettant les bâtons dans les roues plutôt, je dirais qu'ici ça a plutôt rendu fort, hein. On a réussi à mettre en place ce dont on rêvait ici et en plus à être fier de soi. Ici, à partager son bonheur et sa joie avec ceux qui nous sont chers, soit les amis, soit la famille. Et on a fait vraiment, ici, il y a des personnes, des passionnés qui font ce qu'ils aiment avec passion, débordement et amour. Donc ici, on vous dit quand même, soyez passionnés, mais la passion, ça peut vite virer aussi à quelque chose de pas très, très joli, hein. Donc soyez passionnés, mais dans le bon sens du terme. N'allez pas trop vite parce que le rouge aussi c'est la passion, l'amour, mais le rouge aussi c'est la colère. Donc vous dites ici, c'est bien, vous avez prouvé que vous en êtes capable, vous avez prouvé que vous pouvez surmonter les obstacles, que peu importe qui se met sur votre chemin, vous êtes prêt et capable d'y arriver avec ou sans ces personnes. Et là, vous pouvez être fier de vous parce que le travail accompli, vous avez réussi à mettre les choses en place. Malgré tous ces désagréments, malgré toutes ces personnes-là aux alentours qui n'étaient pas pour ce projet, hein, ou qui faisaient juste tout pour vous mettre, pour vous faire tomber, vous avez réussi ici parce que là, c'est la réussite. Hein, vous fêtez quelque chose que vous avez mis en place, qui vous avez réussi ici presque tout seul. Hein, et vous pouvez être fier de vous et partager avec la famille ou avec les amis ce que vous avez fait avec envie, avec amour et surtout avec passion. Donc ici, il y a des personnes qui sont plutôt fières d'eux. On va regarder quel est votre message pour vous. Le choix numéro 3. On a ici période d'instabilité, de confusion dans son esprit, lâcher prise, retrouve la confiance perdue. Tu ne sais pas sur quel pied danser, prends du recul sur la situation qui te préoccupe. Les doutes peuvent s'éloigner. Ne sois pas pris dans les pièges de tes tourments. Reste sous la même longueur d'onde. Tu as perdu la motivation, peut-être. Cherche la raison de ce changement pour mieux comprendre ce qu'il en est et pour aller de l'avant. Tu es fort et tu peux t'en sortir et tu peux mettre les choses sur les rails. Tu as cette force en toi. Ça, c'était le message pour la possibilité numéro 3. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo, cette petite vidéo. Je vous dis merci beaucoup et n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner, tous ceux qui passent par là. Je vous dis merci beaucoup et passez une très belle soirée. Au revoir.